Alors, est-ce que la Chine a tiré profit de secrets industriels d'Hydro-Québec fournis par un espion? La question se pose depuis l'arrestation par la GRC d'un ex-employé de la Société d'État qui aurait partagé des informations sensibles à Pékin. Élisabeth Lhomme fait face à des accusations d'espionnage, une première au pays. Voilà, c'est la première fois qu'une telle accusation est déposée au Canada selon la GRC. Alors, l'individu en question, vous allez voir sa photo à l'écran, Yusheng Wang, 35 ans, qui jusqu'à tout récemment était chercheur au Centre d'excellence d'Hydro-Québec. Ça s'est basé du côté de Varennes. Il y travaillait, nous dit-on, depuis 2016. Et là, en milieu d'avant-midi aujourd'hui, selon des voisins avec qui on a pu discuter, il a été arrêté à son domicile de Candiac. Il fait face, Sophie, à 4 chefs d'accusation. Là, on parle d'obtention de secrets industriels, utilisation non autorisée d'ordinateurs et abus de confiance par un fonctionnaire public.